Hey les chanceux, c'est Nan, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et du coup aujourd'hui les amis, il y a Piggy qui est sur le point de mourir. Alors je ne sais pas du tout, hein. En tout cas elle m'avait dit qu'elle avait très mal au ventre, au cœur et tout. Franchement je sais pas du tout ce qui lui arrive, regardez elle est allongée dans son lit. Voilà, du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez si Piggy meurt dans cette vidéo ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît. Et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Puisqu'aux 50 000 abonnés les amis, je ferai un gros concours. Donc abonnez-vous dès maintenant si vous voulez y participer. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir sponsor à ma chaîne. Ça permet d'avoir des dédicaces en début de vidéo. Voilà, je fais une grosse dédicace à Titi59270 qui a pris un sponsor à 100 €. Franchement, ça fait super plaisir. Merci à toi et grosse dédicace à toi. Par contre, les autres personnes qui veulent devenir sponsor, vous prenez uniquement un sponsor si vous avez les moyens. Ça, c'est très important, les amis, je le souligne très bien. Voilà, vous faites uniquement si vous avez les moyens. Bon, du coup, c'est parti. Je vais voir Piggy. Voilà, il ne faudrait pas que je tarde trop. Piggy ? J'ai mal, j'ai mal. Ouais, bah justement, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu sais, au téléphone, tu m'as juste dit, ouais, t'avais très mal et tout. Comment c'est arrivé? T'as mangé quelque chose juste avant? Je sais pas, j'ai mangé quelques humains et quelques cochons. Ah du coup, Quoi? T'as mangé des humains? Bah oui. Wouah, mais attends. T'es. Wouah, non! Mais Piggy, je t'avais déjà demandé d'arrêter de manger des humains. Moi, je suis quand même un humain. J'ai pas envie que tu le manges un jour. Il faudrait vraiment que tu te calmes. Voilà, bah tu sais quoi, ça t'apprendra. Chais. Je vais te laisser mourir. Promets-moi que tu manges plus d'humains. J'arrête, reste, Vinan, s'il te plaît. Aide-moi. T'es sûr, hein, tu me promets? Oui. Ok, bah vas-y, je te fais confiance. Parce que si tu continues à manger des humains, vas-y, je vais plus t'aider, ok? D'accord, aide-moi, s'il voilà. te plaît. Et si tu veux, par contre. Tous les gens qui sont pas abonnés à ma chaîne, bah eux tu peux les manger, ok? Par contre ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tu les manges pas, d'accord? D'accord, voilà. Merci. Du coup les amis, si vous voulez pas que Piggy vous mange, bah abonnez-vous à ma chaîne et partagez la chaîne YouTube à tous vos amis. Bon voilà. Bon, du coup Piggy, faudrait vraiment que tu m'expliques un peu, du coup genre t'as mal où exactement? Ou au ventre, au cœur, à la main? Faut vraiment que tu me dises au détail. Au cœur, c'est un peu un gros pincement au cœur, j'ai mal au ventre. Ah ouais, et genre... Un couteau dans le ventre, ça fait trop mal. Tu veux quoi? Tu veux que je te plante un couteau? Non, c'est comme si ça faisait mal. C'est comme si on me plantait un couteau dans le ventre, ça me fait trop mal. Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme si quelqu'un t'avait planté dans le ventre. Ok, je vois un peu le délire. Mais du coup, Piggy, alors... en dessous de ton t-shirt, est-ce qu'il y aurait pas des fissures? Enfin, des fissures sur ton ventre et tout? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Bah genre il faudrait que tu regardes, bah attends tu sais quoi, je vais me retourner et tu me dis, parce que je pense que s'il y a des fissures, je pense que faut vraiment faire une grosse opération les amis, et je pense que ça nous demandera d'y aller à l'hôpital et tout, ça va être un truc de ouf. Voilà, du coup les amis, j'attends que Piggy se déshabille et regarde si elle a quelque chose en dessous de son t-shirt, voir s'il n'y aurait pas des fissures dans le ventre et tout, parce que les amis, si c'est ça, c'est vraiment, elle est dans un état très 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 critique les amis, donc je vais aller voir, Piggy c'est bon, je peux venir? Oui c'est bon. Ok bah vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y a des fissures? Oui, j'ai senti une grosse plaie dans le ventre. Oh, du coup, les amis, elle est dans un état très, très, très grave. Bon, du coup, juste pour calmer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un peu d'eau. Parce que voilà, l'eau, c'est comme une espèce de potion. Enfin, pas vraiment, mais ça peut calmer, quoi. Bon, juste, Piggy, alors, là, je vois que t'as un seau d'eau. Je pense que ça suffirait pas. Tiens, je te passe ce seau d'eau. Je pense que ce seau d'eau ne suffira pas. Est-ce que t'aurais d'autres seaux, éventuellement? Ah, t'as d'autres seaux, ok. Merci. Super. Ok, je vais récupérer les autres seaux, voilà. Du coup, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais récupérer énormément d'eau. Hop, parce que, voilà, l'eau, comme je vous le disais, les amis, c'est très, très, très important. Donc, je pense que j'en ai à récupérer pas mal d'eau. Alors, attendez, hop, voilà, du coup je peux encore récupérer ici, vous savez quoi, on va tout utiliser. Voilà, on va tout utiliser. Ok, oups, ok, parfait. Regardez, tout le stock d'eau que j'ai récupéré, les amis. Voilà, tout ça, ça sera pour Piggy. Alors, hop, ah, je suis coincé en dessous de l'arbre. Ah, ok, c'est bon, j'ai réussi à remonter. Par contre, ici, il faudrait que je mette des escaliers, parce que ça continue d'être compliqué de monter et tout. Voilà, j'avais mis des échelles, mais voilà, c'est toujours pas pratique. Voilà. Bon, du coup, Piggy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à l'hôpital, mais je t'ai récupéré énormément de pseudo, ça pourrait te calmer, voilà, durant le trajet, tu les utilises sur toi, voilà, tu peux les boire et tout. Merci. Ouais, t'inquiète pas. Alors, je vais aussi te faire un peu d'eau bouillante. Est-ce que, ouais, bon, je vais te chauffer un peu l'eau. Hop, voilà. On chauffe l'eau. Non, oups, voilà. Et, alors, attendez, je vais mettre l'eau juste au-dessus.
Voilà, comme ça chauffe bien. De l'eau. Ouh, par contre, faudrait que tu récupères tous les seaux d'eau, Piggy. Voilà. Bon, du coup. Attends, je crois que j'ai une autre idée. Ouais. Alors, du coup, tu m'as dit que ton ventre il s'ouvrait, c'est ça? Oui, ça me fait trop mal. Ok, je sais ce que je vais faire. Vu que Piggy c'est un cochon, les amis, bon, un Piggy maléfique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un bout de ventre d'un cochon normal. Par contre, regardez, les amis, c'est un gros spawn de cochon. Il doit avoir un milliard de cochons à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une épée? Si, il y a une épée. Ok, super. Je vais récupérer un petit cochon là. Hé, les cochons! Hop. Alors, attendez, il faut vraiment que j'en tue un. Ah, bah ça. Ah, ok, c'est bon, j'en ai tué un. Hop. Voilà. Bon, du coup, Piggy va récupérer. Là-bas, j'ai tué un cochon. Récupère son ventre et tu colles à la place de ton ventre à toi. Enfin, genre, tu sais, tu récupères son bout de ventre et tu essaies de coller de ton la plaie. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, je te laisse faire ça. Bon, du coup, les amis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement à l'hôpital. Et comme vous savez, voilà, depuis longtemps, je fais des vidéos. Et comme je le dis à chaque fois, je suis un scientifique et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais faire l'opération. J'espère que ça va bien se passer. C'est ce qu'on va voir. Encore une fois, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, du coup, les amis, on se rend tout de suite à l'hôpital. Bon, du coup, les amis, j'ai ramené Peggy dans la salle d'opération. Parce que je pense qu'elle doit avoir peur. Peggy, tu commences à avoir peur? Oui, j'ai peur et j'ai mal, surtout. Oh ouais, bah c'est normal, bah voilà. Bon, du coup, par contre, j'ai aucune protection. Du coup, les amis, je vais faire vraiment ça à main nue. Par contre, ça va être un peu censuré parce que voilà, j'ai pas envie de heurter votre sensibilité. C'est pourquoi vous allez voir tout ça avec le vêtement. Mais voilà, dans Minecraft, je le fais vraiment. Je serai vraiment en train d'opérer, comme vous aurez pu le voir à la miniature. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, regardez, j'ai déjà commencé à récupérer du sang de Piggy, voilà. J'ai enlevé tout le sang qu'il y avait dans son ventre, parce que voilà, il faudrait que j'opère bien, que j'aille bien toucher les estomacs et tout, voilà. C'est vraiment des trucs assez compliqués et tout, ça risque d'être un peu hardcore, c'est pourquoi, voilà, je censure un peu cette partie. Bon, du coup, c'est parti, je me suis mis en mode créatif, voilà, ça me permet d'être un peu mieux efficace, et voilà, ça serait un peu, je serais un peu plus tranquille, voilà. Du coup, on commence directement par la cisaille pour lui ouvrir le ventre. Allez, c'est parti, on lui ouvre le ventre, j'espère qu'elle va pas crier. Ah, j'ai mal. Ah, bah, je suis désolé, hein. C'est non. Je suis désolé, ça va faire très très mal. Hein. Alors, quoique, je vais voir si j'aurais pas une potion pour t'anesthésier. Alors, est-ce que j'aurais une potion pour anesthésier allez, tiens, j'ai que ça, mais ça va pas tenir longtemps. Tiens, tu peux boire cette potion, voilà. Attends, tu sais quoi, je vais te la jeter parce que tu peux plus boire, étant donné que je suis en train de l'opérer. Hop, je vais voir si j'aurais pas une potion jetable. Si, j'en ai une. Allez, hop. Je pense qu'elle va s'endormir pendant 1 minute 30 avec ça. Hop, voilà. Tac. Est-ce qu'elle s'endort? Ah, oui, c'est bon, elle s'est endormie. Ok, super. Du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose, les amis, parce que là, j'étais vraiment carrément en train de la torturer. Bon, du coup, là, les amis, ça va être la partie la plus... truc de ouf, parce que là j'ai ouvert le corps là déjà, et là je vais mettre le feu. En fait, genre le feu, ça permet de brûler comment dire, la cicatrice. En fait, ça va la cicatriser, enfin genre voilà, la plaie, ça va la cicatriser. Bon voilà, je me perds sur ce que je dis, bon bref, vous m'avez compris. Allez, c'est parti, je lui mets du feu, hop, voilà, ça la brûle, regardez, ça la brûle, c'est normal les amis, c'est très très normal. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas comme s'il y avait le feu et tout, c'est normal. Là, c'est vraiment en train de cicatriser sa plaie et tout, voilà. Bon, hop, ok, là c'est bon, c'est parti. Du coup, là je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller. Alors, je vais juste mettre les pansements, hop, voilà. Ok, super, c'est nickel. Ok, normalement là, elle va pas tarder à se réveiller. On va voir si elle commence à avoir des douleurs ou pas. Ou, enfin, si elle continue à avoir des douleurs. Mais a priori, je pense qu'elle aura moins de douleurs. Voilà, et je pense qu'elle aura plus du tout mal au ventre. Mais elle va sentir les plaies qu'elle a dans le ventre. Voilà. Piggy? Atisnan, c'est toi? Ouais, ça va, tu... Ça va, t'as plus mal au ventre? Non, ça va beaucoup mieux, merci. Ok, ça va beaucoup mieux. Bon, bah, ok, c'est plutôt une bonne chose. Bon, du coup, Piggy, je pense que tu vas rester à l'hôpital pendant quelques jours. Allez, je pense que... Je sais pas, en vrai, je sais pas. Du coup, les amis, si vous voulez que Piggy sort vite de l'hôpital, abonnez-vous dès maintenant. Voilà, faut bien activer la cloche des notifications. Et plus vous abonnez en masse, bah, plus elle a de chances de sortir vite de l'hôpital. Et plus vous avez de chances que je sors plus de vidéos avec Piggy, voilà. Du coup, Piggy, je vais te laisser quelques médicaments. Voilà, ça te permettra d'avoir moins mal de jour en jour. Tiens, vas-y, tu peux merci, te lever. Hein. T'inquiète, tu peux t'asseoir. Vas-y, tiens. Voilà, toujours un peu...
fait bizarre là après l'opération. Ouais, c'est normal, après ça reste une opération. Bon, vas-y, je te laisse t'asseoir sur ton lit. Non, 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 wow, chou, comme toi. Bon, du coup, je te laisse t'asseoir dans ton lit, Piggy. Allez, hop, Merci. moi je me taille. Bon, du coup, les amis, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de mettre mon code créateur sur Fortnite. Mon pseudo, c'est TheChinan. Voilà, je remercierai tous les gens qui ont mis mon code créateur. Voilà, et du coup, les amis, on se dit à la prochaine.